Et salut à toutes et à tous, c'est Kaylor et on se retrouve sur Minecraft. Donc c'est parti, alors bonjour tout le monde, on est sur Minecraft. Donc je vais appeler ce monde LGDS, parce que voilà. Alors, j'ai un extracteur, world type default, bonus chest. Je vais m'en mettre un dans le sens où. Voilà. Je vais me dire que ça commence vite. C'est pour ça, c'est uniquement pour ça. Et je crois que c'est bon. Donc voilà. Donc cette petite série donc qui sera une. En fait, cette série va être divisée en plusieurs parties. J'ai cette partie-là donc qui va être sur. J'ai tué le micro. Il va y avoir cette partie-là donc qui est sur du Minecraft Survival. Va y avoir sur Minecraft Multi avec peut-être des fois tout seul sur des mini-jeux, peut-être avec des poteaux. Et donc voilà. Pas avec des poteaux genre ce qui est dans la rue, hein, des poteaux genre des potes quoi. Ok, c'était nul. Bon, donc voilà, Minecraft, oui. Donc je vais pas vous dire ce qu'est Minecraft. Ce serait débile. Et donc voilà, on va y jouer. Donc on va partir pour l'instant sur un survival. Alors comme je vous l'ai dit, donc je me suis givé un chest comme ça parce que. Pour que la série avance plus vite. C'est uniquement pour cette raison-là, parce que je me dis, franchement, ce serait chiant que. Qu'on perde quoi? Facilement 3-4 épisodes. Enfin, on perd au moins un demi-épisode à chercher ce qu'on va avoir dans le bonus chest. Alors, quel biome on va avoir? Alors, on est en face d'un biome sable. Derrière nous, c'est un biome birch. Ok. Alors, je vous préviens que j'ai des touches personnalisées. Hein. Canne à sucre. Alors, ça, c'est le premier truc qu'on va prendre. Déjà un petit peu de bois. Alors je shift-clique hein, pour ceux qui se demandent. Oui, je sais que j'ai une hache. Merci, je suis au courant. Oh, le poulet. Alors, préviens, j'ai pas joué à Minecraft depuis très longtemps. C'est un peu comme si j'étais tout nouveau sur ce petit jeu. Alors, préviens, jusqu'à ce qu'on ait besoin, je ne touche pas au lapin. Parce que j'ai un lapin à moi et j'y tiens très fort. Et pour moi, l'ajout des lapins dans Minecraft, ça m'a vraiment touché gravement au cœur. Dans le sens exagéré, j'aime pas tuer les lapins, tout simplement. Et à mon avis, ça peut être bien pour descendre en grotte. Oui, donc, comme vous l'avez vu, nous sommes donc en difficulté. Pas peaceful, habituellement, j'en veux peaceful. On va buter le Jean-Michel Mouton. Pour l'instant, j'économise ma bouffe. De toute façon, je suis pas habitué à utiliser le sprint. Mais déjà, on va prendre de quoi se faire un lit. Parce qu'avoir un lit au premier jour, c'est excellent. Plus, les moutons donnent de la bouffe depuis la 1.8. Voilà. On va d'abord tuer des moutons avant tout. L'idée c'est d'avoir 3 laines. Quand on a 3 laines, on va récupérer du bois. Putain, je vais tomber. Alors on n'est pas en UHC, hein, faut pas déconner non plus. Je vais pas dès le début faire du UHC. Alors je suis pas fan des sons de Minecraft, hein, parce que honnêtement. Le truc c'est que les sons de Minecraft, il y a quand même pas mal de moments où t'entends des petits bruits stressants. Ça a pas de raison d'être, mais ça y est. Et moi ça me stresse toujours. Donc, là j'ai mis le son parce que je suis avec vous. Pour entendre les creepers surtout. Hein. Les mobs en particulier en fait. Donc on va récupérer du bois. Alors la première chose qu'on va faire à mon avis, c'est un lit. Enfin, une table de craft d'abord, parce que sans table de craft, faut pas faire de lit. S'il reste un bout. Et honnêtement, j'ai pas envie de partir en grotte tout de suite. Parce que je me dis, je veux dire, ça sert à rien de partir en grotte tout de suite. Je veux dire, pourquoi pas sur une maison tant qu'on y est? Par maison, j'entends un truc totalement moche, hein, mais
Clairement, quand je dis maison, je parle pas de faire la maison à laquelle on vivra définitivement. Je parle de faire une maison pour l'instant, quoi. Je regarde quand même au cas où vous tomberez pas sur un village, parce que c'est con de faire une maison si on peut tomber sur un village. Apparemment pas, ça m'a l'air bien pour m'établir ça en attendant. Alors c'est une maison très moche. Me rappelle pas qu'il y avait des espèces de petits cailloux comme ça dans la texture de la terre. Quand je vous dis maison très moche, je déconne pas, hein. C'est vraiment la maison low cost à souhait, quoi. En plus, c'est vrai que ça fait trois portes. J'aime bien ces portes-là parce que elles sont très ouvertes. Ça va être bien des portes ouvertes. À part la blague. Et bah ça va être bien qu'on voit mieux les mobs à travers. Voilà, c'était ma petite astuce. Prenez comme vous voulez. Donc voilà, c'est du Minecraft. Vanilla pour l'instant. Grosse utilité ce planche en chaîne, hein. Grosse utilité. Donc oui, je sais que cette maison est extrêmement laide. On n'est pas encore sur Hugues des Cubes. Oui d'ailleurs, parmi les séries différentes qu'il y aura, il y aura de la déco, hein, parce que j'aime beaucoup la déco. D'ailleurs, je suis dégoûtée parce que j'ai commencé à faire une map de déco sur mon ancien Minecraft. Et la sauvegarde a été corrompue, etc. Enfin bref, tout a wipé et je n'avais plus rien. J'ai vraiment le seum parce que j'ai passé des heures et des heures et des heures à construire un magnifique château totalement gigantissime. Quand je dis totalement gigantissime, c'est vraiment, il était gigantesque. J'ai passé des heures à faire les murailles. Enfin, vraiment, ça m'avait foutu le seum d'un niveau 8, quoi. Donc, je sais pas si vous le voyez, je crois que oui. Nous sommes donc en 1.8.7. Recouper du bois en fait parce que j'en ai plus. Donc voilà, là on va habiter pendant quelques temps. Oui, c'est très moche. Vous verrez, hein, je sais construire des trucs pas mal. Bon, je suis pas non plus Roi Louis ou genre des grands décorateurs, mais je suis capable déjà de faire des maisons pas trop mal, hein. Et je sais pas ce que j'ai pas vu taking. D'ailleurs, je joue en anglais parce que. Oui, c'est bien sympa le français, mais souvent quand je regarde des youtubeurs jouer en français, je suis tout le temps là. Non, mais. Passe le jeu en anglais, quoi. Oui, je suis un anglophile. Mais par exemple, hier soir, j'ai voulu regarder The Marine. Je vais pas regarder jusqu'au bout parce que. Pas très intéressant. Mais j'ai voulu regarder The Marine et. Sur RTL9, donc. En grosse pub. Et il n'y avait pas la VO. Et franchement, ça m'a énervé parce que. Entendre John Cena parler français. Enfin, ouais. Mais une voix qui n'est pas la sienne, qui n'avait aucun rapport avec la sienne. Vraiment, c'était gênant. C'était gênant. Voilà, pour l'instant, on coupe du bois. Quand je pense à un truc, c'est plus optique quand même d'aller miner la nuit, hein. Ouais, mais le mieux c'est d'abord de set notre spawn chez nous. Je préfère déjà passer une nuit comme ça, on est tranquillou. Oui, donc en tout cas sur la partie survival, c'était au moins les deux premiers épisodes. Ce sera fait d'environ 20 minutes à mon avis. Qu'est-ce qu'il y a de bien quand même avec notre maison, c'est qu'elle est repérable, même si elle est dans un petit coin. Pas parce qu'elle est totalement moche, mais elle est repérable quand même. Regardez quand même, elle est pratique. J'aurais peut-être pas dû faire ça. Sentez le mec qui a pas joué à Minecraft depuis longtemps. Je déteste avoir raison. Bon, bah on a des slaves, on va les garder dans notre chest. Que voulez-vous que je vous dise? Et des choses qui sont pas utiles tout de suite. Ça pareil, ça pareil. C'est pas encore l'heure, hein. On va terraformer un peu notre maison. J'ai pas pensé à ce détail. Voilà, ce que je voulais, c'était avoir un petit bout de terre quelque part.
Gros lag, gros lag. Peut-être qu'il est pas crashé. J'ai souvent peur comme ça avec mon PC qui crash parce que ça m'est arrivé plusieurs fois avec Hearthstone que ben, d'un seul coup mon PC dise attends, t'as fait une vidéo? Alors ton PC va crasher parce que. Parce qu'il va crasher, hein. Et puis. Parce que t'es français, les détenus vont être corrompus même si t'as coupé l'épisode avant. C'est pour ça que vous avez pas eu de vidéo hier. Car oui, je tourne ce jeu, cet épisode normalement Day One. Les sticks. Alors là, vous voyez le mec qui joue rarement à Minecraft et dont le PC lag à mort. Je galère quand même un peu au niveau des touches. Vais vous montrer pour me faire un four pour faire cuire le la viande asse que j'ai. Faut pas oublier grâce au coffre bonus que je me suis givé. Parce que pas envie de passer 8 épisodes à miner du bois. Remarquez tout de même que là on est déjà quand même assez avancé pour des gens qui ont joué même pas longtemps. Hein. Je dis on parce que pour moi vous êtes avec moi. J'ai quand même pas incrusté le four. Bon en fait si. Comme ça me fera déjà de la bouffe cuite. Donc voilà, on part en minage optique, hein, le truc le plus intéressant de Minecraft. Alors là, comment vous dire qu'il y a mon PC qui est en train de tomber? Oui, parce que mon installation est ce qui s'appelle low cost, hein. C'est-à-dire que je me suis mis dans mon salon, parce que j'y étais pendant que j'installais le jeu. Oui, je viens tout juste d'installer le jeu. Truc de dingue, c'est pour ça qu'il y avait qu'un seul monde. Putain, je vous dis, je viens d'installer les jeux, il y avait déjà un seul monde. Parce que j'avais fait un test pour voir si je mettais les mobs ou pas, dans le sens où avant je ne les mettais pas parce que mon PC laguait. Alors oui, c'est de la cobble diorite. C'est de la cobble dorée parce que si vous les regardez en F3, ils vont dire que c'est généré comme de la cobble, mais c'est de la diorite. Oh, du fer, génial. Remonte quand même un peu l'écran. Hein. Yes, déjà de quoi se faire une pioche en fer. Vous voyez, j'espérais vraiment qu'il n'y ait pas de gravier. Alors, vous voyez des fois, enfin, je sais pas si vous le voyez, parce que je sais que je suis en 3 FPS. Et d'ailleurs, merci Berkham à ce sujet-là. Mais, attendez, j'ai creusé quand même pas mal profond. Je sais que je tourne en 3 FPS, mais pour information, voilà, on set notre spawn. Donc, pour information, si on voit des petits sauts comme bah, l'espèce de X-ray que j'ai eu là, je n'utiliserai pas. Hein. Notre châssis iron ore, putain. Et vu que je sprinte pas, on n'a rien perdu de bouffe. Attendez, je vérifie un truc. C'est ulti normal, hein, ouais. Pour l'instant, j'ai cru qu'on était en pissoule. Parce que je voyais ma bouffe. Non, elle commence un petit peu à descendre. Oh, du charbon. Alors, ça, vous voyez, c'est le moment un peu chiant où j'ai mis des trucs qui pouvaient être utiles à cuire. Alors que j'avais du charbon. J'utilise ma pioche en pierre pour tout ce qui est minerai parce que je crois. Je suis pas sûr, mais je crois que t'as quand même plus de chances de drop avec une pioche en pierre qu'avec une pioche en bois. Je suis assez calme sur cette série parce que bon, pour l'instant, il n'y a pas question de Sapho, il n'y a pas de meilleur dragon à faire. Et on le fera le dragon. Oui, d'ailleurs, je viens d'y penser, mais forcément, pour une série Minecraft, il faut des objectifs. Donc, mais déjà, on va tuer les trois boss. C'est un objectif en soi, c'est-à-dire le King Guardian. J'appelle ça le King Guardian parce que techniquement, c'est ce que c'est. Hein. Le King Guardian, le Wither et le Dragon.
Je vais remonter prendre mon fer parce que je sais pas à quelle profondeur on est. Merde. J'ai changé mes touches donc je sais pas c'est quelle touche normalement le F3. C'est quoi le F3 alors? Bon, écoutez, on peut pas savoir ce que c'est le F3. J'essaierai quand même hors vidéo, hein, mais. Mais je veux pas prendre le risque de faire de la merde. Ça commence pas trop mal. Alors, je crois que normalement vous n'avez pas le son du jeu, hein, je suis pratiquement certain. Mais pour vous faire une idée, il vient d'y avoir un bruit ultra stressant de type. On ne sait pas qu'est-ce que c'est. Et là vous vous dites, mais oh mon dieu, qu'est-ce qu'il fait? Ben, je fais des flics. Et comme vous allez le voir dans un instant, je vais faire une épée en fer. Pourquoi? Parce qu'on risque probablement de tomber sur des mobs bientôt. Et oui, je vais. Tout mon charbon pour ça. Je vais mettre ça à la place des pommes. Vais mettre la cobble à la place du bois. Et mes torches, je vais les mettre là. Et je vais commencer à ranger des trucs dans mon coffre parce qu'on pourrait commencer à tomber sur des trucs dangereux. La moitié de mes sticks, je les garde quand même sur moi. Mes planches, mon fer, mes pommes, ma dirt. Et ça devrait être bon. Voilà. Pas mal pour l'instant, on a quand même pas mal de trucs déjà. Vous voyez, imaginez qu'on trouve du diam, c'est épisode 1, quoi, ce serait la chance de ouf. Et sans croiser de mobs, ça ce serait bien. Non, parce que vous pouvez dire ce que vous voulez, mais là, mais déjà, on n'est pas trop mal, hein. Alors, faut quand même se dire qu'effectivement, il y a une partie qui est due à ce que je me suis activé un coffre de début, mais. Mais bon. Franchement, c'est juste quelques minutes de gagner sur l'épisode, hein. On va pas refaire une pioche en bois, faut pas déconner. Et de l'or. C'est du fer. Je me demande ce que ça doit donner Minecraft en 3 FPS. Ça va être top. Je préfère creuser là où il y avait de la lave, comme ça je l'aurais vu. Merci, bloc qui ira par une demi-seconde pour moi. Il va falloir cobbler cette zone, hein. Est-ce que je vais faire comme j'avais fait sur mon premier Minecraft solo. Enfin, je vous explique sur mon premier Minecraft solo qui a donc wipé aussi. Ce que j'avais fait, c'est que tout autour de ma base, j'avais mis une putain. Quand je dis une putain, c'est vraiment une putain de muraille de cobble. Donc 15 fers supplémentaires, ce qui est pas mal. J'avais mis une méga barrière de cobble. Tout autour de ma base, ça ne m'apprendrait pas parce que j'ai tant pis full, mais c'est quand je passerai en mode mob, même avec une épée sharp en diams sharpness 2 et un stuff ou diams protect 1, ben j'arrivais pas à gérer un simple archer parce que mon PC laguait trop. Alors oui, moi je suis du genre, un jour je suis sûr on va avoir creusé beaucoup et tout, et on va remonter un jour et on va se dire merde, il y avait du diams ici. Je me connais. Hein. Je crois qu'ils ont dû changer la texture de ce bloc. Hein. Je suis vraiment du genre à rater des trucs, moi. Mais enfin, je demande si on est en âge de diams un jour.
fer. Alors, c'est dommage parce que je connais une ferme à fer dans un point. Un point. 1.7, mais en 1.8, je sais pas en faire. C'est con parce que honnêtement, j'aurais bien aimé la mettre en pratique un jour. C'est chiant que je puisse pas utiliser le F3. Est-ce qu'en fait, sur mon logiciel de record, j'utilise le F3 pour quelque chose? Je le sais, mais je sais plus pourquoi. Pour éviter que ça coupe mon record en plein dedans, parce que je l'ai utilisé pour rien. Donc c'est dommage, mais il va bientôt être l'heure de se laisser, hein. Oh, je me rappelle une fois, c'était sur, je sais plus, non, c'était bel et bien sur Minecraft PC. J'avais passé, je crois, j'avais creusé vraiment jusque tout en bas, j'avais rien trouvé, mais rien, genre vraiment rien. Je vais commencer un peu ma pioche en fer. On doit toucher la bedrock quand même. Je regarde. Ouais, on est extrêmement bas. On t'aime un peu la pioche en fer. Ça va, ça a quand même beaucoup d'utilisation. Puis c'est pas comme si on allait trouver une grosse tache de fer. Que je vous disais que j'avais rien trouvé, j'avais juste trouvé, je crois, un filon de charbon. Non, jusqu'à la bedrock. Mon Dieu, est-ce qu'on va trouver du diamant dans cet épisode? Est-ce qu'on va mourir brûlé dans la lave dans cet épisode? Moins probable, à mon avis. Regardez tout ce charbon. Bon, le jeu t'a de gueuler dans mes oreilles ou ça se passe comment? Alors voilà ce qu'on appelle un lac de lave. Donc c'est le moment où on remonte. On n'a pas envie de cramer. Donc voilà. Et ben en tout cas, ça fait plaisir de se retrouver sur Minecraft quand même, qui est un jeu que j'apprécie. Je vous ai pas montré mon skin, je viens d'y penser. Enfin, si quand on est allé dans l'aventure, vous avez dû le voir. C'est brièvement. Merci le pop-up sur mon PC qui a tout fait laguer. Voilà, donc c'est Minecraft PC. Je joue aussi sur PS Vita. Le malchanceux là sur PlayStation 3. C'est moi qui lui ai offert parce que quand j'ai acheté sur PS Vita, il y avait un code pour ceci. Et voilà. Et j'ai déjà Mask Obel. Donc, on va se faire un stuffounet en fer quand il sera prêt. Ah, voilà. Je vais vous montrer mon skin en double F5. Donc, il est sujet à modification, surtout au niveau donc, du bras qui tient la pioche. Ouais, du bras qui tient la pioche, il y aura une modification à faire. Vous voyez qu'il n'est pas en 3D parce que je pense qu'il aura eu le temps. Il a un dragon dans le dos et une queue de cheval. Je peux vous dire que j'ai pas mal bossé dessus et que c'est au moins la version 6. Hein. Enfin. Il fait quelle heure? Bon, il fait déjà un peu tard. Allez, on va se faire une capote. Pas faire des nuggets de fer d'ailleurs. Oui, ma touche pour justice, c'est la touche que tout le monde utilise pour l'inventaire. C'est pour ça que je suis un peu déstabilisé là-dessus. J'ai peut-être pas de quoi me faire un full fer. Je vais peut-être garder. Attends, il m'en reste 11. Je vais faire des bottes. Des bottes et un pantalon. Il me restera le temps ce que je vais faire. Ah, c'est con. Ok, là j'ai fait de la merde. Ah, j'arrive pas. Et un boulet. De toute façon, là, je suis un peu en mode ouais, c'est génial Minecraft et tout. Alors qu'en plus, quand je vais vous quitter, je reprendrai. Enfin, moi, je reprendrai juste après, ce qui est complètement con, ce qu'il y a. Là, je suis magnifique avec ce stuff en fer. Et donc, je retournerai.
Mais... Mince, il faut que j'en garde 3 pour le seau d'eau. Ah. Oui, parce qu'il y a de la lave, il me faut un seau. Il fait nuit là. Seau d'eau. Allons, douille. Oh là là, je suis niveau 8 dans ce genre de conneries là. Enfin, non, je suis niveau 6 en fait. Tant pis si j'ai gâché un peu de charbon, c'est pas grave. On n'est pas non plus en tâche de charbon. Des cisailles auraient pu être utiles, ouais, mais. Pas maintenant. J'ai pris tous les sticks. Bon. Et ben voilà les gens, on va se laisser dans cette tenue ridicule. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!